et aussi un bon anniversaire de pour votre ministère. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est venu. Êtes-vous satisfait, êtes-vous content de votre fête? Je suis très content de ma fête, mais d'abord, je remercie le Seigneur. Comme je l'ai écrit sur mes invitations, et puis je disais toujours que le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et à la fin, j'ai écrit, il ne faut pas chercher à ajouter les années à sa vie, mais plutôt chercher à rajouter de la vie à ces années. C'est ce que je vais faire. J'ai fait un plaisir. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de recevoir tout ce monde. 250 invités pour cette fête. Je suis très content. Je remercie tout le monde qui est là, qui était présent. Vous aussi, Centras TV, qui m'a accompagné de l'église et ici. Vous avez couvert cette fête. Je vous remercie beaucoup. J'ai une pensée pieuse pour ma famille à Kinshasa qui n'ont pas pu faire les déplacements d'ici, malheureusement pour les visas. Mais ils étaient de cœur avec nous, ils ont envoyé leurs contributions. Je suis vraiment de cœur avec eux. Il me manque beaucoup. Ici, j'ai seulement ma petite sœur qui est avec moi. Et on a été très contents que tous ces gens viennent. Et puis, faire cette fête, ça est vraiment pour moi une chance et une occasion de rendre grâce à Dieu. Vous étiez avec votre petite sœur, c'était la personne qui était avec vous tout à l'heure? La personne qui était avec moi tout à l'heure, quand j'ai recevé les salutations, les félicitations, la personne qui est à côté de moi, c'est ma petite sœur, notre cadette, la cadette de ma maman, la sixième de ma maman, notre cadette aussi. Elle est avec moi en Belgique. Voilà, on est content d'être ensemble. Et puis les autres, mais je pense beaucoup aussi à ma famille à Kinshasa, qui n'a pas pu faire les déplacements jusqu'ici. Oui, je pense qu'ils auraient... Ils sont, malgré qu'ils ne sont pas souvenirs, mais ils sont, je pense, toujours présents avec vous. Je pense qu'ils vous soutiennent. Nous sommes des cœurs, ils me soutiennent. Nous sommes des cœurs et on est ensemble. Et voilà quoi. Donc, mes 40 ans d'âge, 5 ans de prêtrise, c'est d'abord un honneur pour ma famille, mais pour moi-même aussi. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis, je remercie tous les amis. J'ai dit, tous ceux dont j'ai rencontré dans ma vie, ce n'est pas un hasard. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel pour moi. Je les remercie sincèrement. Je sais que la vie ne se limite pas là, ne s'arrête pas. On continue et un jour, on sera heureux ensemble. Cher Père, nous vous souhaitons donc encore de nombreuses années, que vous puissiez continuer à servir le Seigneur et que vous puissiez toujours rester fidèle à son service. Et nous vous souhaitons un bon service. Un bon service, oui. Et de bien aider aussi vos fidèles qui sont avec vous. Merci beaucoup. Je suis content. Je fais de mon mieux. Le Seigneur m'aide dans tout ça. Je suis très heureux, très content de faire ça. Je n'aurais rien fait qui serait mieux que ça. Je ne suis pas devenu médecin comme mon père, mais je suis devenu prêtre parce que j'ai compris l'essence de la vie. Et la vie n'est pas ce que seulement on pense qu'elle soit, mais c'est aussi ce qu'on pense qu'elle ne peut pas être. C'est comme ça que j'ai dit aussi, toute personne n'est pas seulement ce qu'on pense qu'elle est, elle est aussi ce qu'on pense qu'elle ne peut pas être. Donc, le sako, hein? Wana tobe tarango bongo, na nenga kati, sango abeti penza na nenga naye, talakak. Je vais juste vous dire peut-être un petit truc. Vous dites que vous n'êtes pas docteur comme votre père, mais je pense qu'en étant prêtre quelque part, vous êtes quelque part un docteur, mais du cœur des gens, pour oui. Ramener les gens vers Dieu, je pense, non? Ça, c'est vrai. Je suis docteur, je suis médecin des cœurs, je suis médecin de la foi, de la vie. Et je sais que le sens de la vie, c'est croire en Dieu et aimer son prochain. Et là, c'est là où je trouve mon bonheur, en célébrant ma messe, en étant avec mes amis, les autres. C'est ça que je trouve mon bonheur. Donc, je suis heureux et je suis content de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et je ne regrette pas d'être prêtre. Là, j'insiste encore, je ne regrette pas d'être prêtre, je suis très heureux. Merci beaucoup, Léonel. Je suis content que vous êtes heureux. Merci, bonne continuation, encore très bonne fête. Et salutations à un juif noir derrière les caméras. Juif noir, Giscard d'Estaing, Centras TV. Voilà, Ndakango Kaka. Pouessala, Batoubaye, Vanzenzunzenzu, Yubakange. Boulani. Radio Boulani. Ciao. Merci beaucoup, mon père.
Merci, monsieur le MC. Carré. Non, je veux quand même faire une petite parole ce soir, durant cette très belle fête, en honneur de mon grand ami, le père Serge. Merci, bonsoir à tous.
Je suis l'un des amis de Serge et l'un des aventuriers qui est avec Serge dans cette histoire de l'église. Lorsque nous commencions, et à part tout ce qu'on a dit, et on a oublié un détail, c'était à l'époque de la guerre d'agression de l'armée. C'est là que nous avons décidé, après notre parcours dans le monde du monde, et que nous allons arriver à Kinshasa, comme de bons Yambala, pour chercher un avenir, et nous avons décidé de devenir prêtres. Nous sommes allés au Coran et nous avons découvert la communauté Saint-Égide ensemble avec Serge. Mais j'ai toujours été dit quelque chose de Serge, c'est la grandeur de son cœur. Malheureusement, moi j'ai abandonné, j'ai choisi un autre chemin. Je découvre aujourd'hui Serge prêtre, compagnie de libre. Et Serge, je voudrais dire quelque chose au nom de tout le monde ici. Nada à nous inaller, si maman me l'a mis là, nous nous avons dit que nous avons un viva. Serge, le tien que tu as choisi, porte ta voix, tu portes l'honneur de toute une famille et l'honneur de tout un peuple. Merci pour l'honneur que tu nous rends. Thank you.
Thank you.
sur le bassin de l'air pour vous diriger au bar. Thank you.
Thank you.
D'abord, pour commencer, nous vous souhaitons un très bon joyeux anniversaire et aussi un bon anniversaire pour votre ministère. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, il y a beaucoup de monde qui est venu. Êtes-vous satisfait, êtes-vous content de votre fête? Je suis très content de ma fête, mais d'abord, je remercie le Seigneur. Comme je l'ai écrit sur mes invitations, et puis je disais toujours que le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et à la fin, j'ai écrit, il ne faut pas chercher à ajouter les années à sa vie, mais plutôt chercher à rajouter de la vie à ses années. C'est ce que je vais faire. J'ai fait un plaisir, pour moi c'est vraiment un plaisir de recevoir tout ce monde, 250 invités pour cette fête. Je suis très content. Je remercie tout le monde qui est là, qui était présent. Vous aussi, Centras TV, qui m'a accompagné de l'église et ici. Vous avez couvert cette fête. Je vous remercie beaucoup. J'ai une pensée pieuse pour ma famille à Kinshasa qui n'ont pas pu faire les déplacements d'ici, malheureusement pour les visas. Mais ils étaient de cœur avec nous, ils ont envoyé leurs contributions. Je suis vraiment de cœur avec eux. Il me manque beaucoup. Ici, j'ai seulement ma petite sœur qui est avec moi. Et on a été très contents que tous ces gens viennent. Et puis, faire cette fête, c'est vraiment pour moi une chance et une occasion de rendre grâce à Dieu. Vous étiez avec votre petite sœur, c'était la personne qui était avec vous tout à l'heure? La personne qui était avec moi tout à l'heure, quand j'ai recevé les salutations, les félicitations, la personne qui est à côté de moi, c'est ma petite sœur, notre cadette, la cadette de ma maman, la sixième de ma maman, notre cadette aussi. Elle est avec moi en Belgique. Voilà, on est content d'être ensemble. Et puis les autres, mais je pense beaucoup aussi à ma famille à Kinshasa, qui n'a pas pu faire les déplacements jusqu'ici. Oui, je pense qu'ils auraient... Ils sont, malgré qu'ils n'ont pas souvenir, mais ils sont, je pense, toujours présents avec vous. Je pense qu'ils vous soutiennent. Nous sommes des cœurs, ils me soutiennent, nous sommes des cœurs et on est ensemble. Et voilà quoi. Donc mes 40 ans d'âge, 5 ans de prêtrise, c'est d'abord un honneur pour ma famille, mais pour moi-même aussi. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis je remercie tous les amis. Je dis tous ceux dont j'ai rencontré dans ma vie, ce n'est pas un hasard. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau du ciel pour moi. Je les remercie sincèrement. Je sais que la vie ne se limite pas là, ne s'arrête pas. On continue et un jour, on sera heureux ensemble. Cher Père, nous vous souhaitons donc encore de nombreuses années, que vous puissiez continuer à servir le Seigneur et que vous puissiez toujours rester fidèle à son service. Et nous vous souhaitons un bon service. Un bon service, oui. Et de bien aider aussi vos fidèles qui sont avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis content. Je fais de mon mieux. Le Seigneur m'aide dans tout ça. Je suis très heureux, très content de faire ça. Je n'aurais rien fait qui serait mieux que ça. Je ne suis pas devenu médecin comme mon père, mais je suis devenu prêtre parce que j'ai compris l'essence de la vie. Et la vie n'est pas ce que seulement on pense qu'elle soit, mais c'est aussi ce qu'on pense qu'elle ne peut pas être. C'est comme ça que je dis aussi, toute personne n'est pas seulement ce qu'on pense qu'elle est, elle est aussi ce qu'on pense qu'elle ne peut pas être. Donc, le sac, hein? Wana tobe tarango bongo, na nenga kati, sango abeti penza na nenga naye, talaka. Je vais juste vous dire un petit truc. Vous dites que vous n'êtes pas docteur comme votre père, mais je pense qu'en étant prêtre quelque part, vous êtes quelque part un docteur, mais du cœur des gens, pour ramener les gens vers Dieu, je pense, non? Ça, c'est vrai. Je suis docteur, je suis médecin des cœurs, je suis médecin de la foi, de la vie. Et je sais que le sens de la vie, c'est croire en Dieu et aimer son prochain. Et là, c'est là où je trouve mon bonheur, en célébrant ma messe, en étant avec mes amis, les autres. C'est ça que je trouve mon bonheur. Donc, je suis heureux et je suis content de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Et je ne regrette pas d'être prêtre. Là, j'insiste encore, je ne regrette pas d'être prêtre, je suis très heureux. Merci beaucoup, Léonel. Je suis content que vous êtes heureux. Merci, bonne Léonel. Continuation, encore très bonne fête. Et salutations à un juif noir derrière les caméras. Juif noir, Giscard d'Estaing, Centras TV. Voilà, Ndakango Kaka. Pour ça, là, tu vas y aller, Yubakang. Boulani! Radio Boulani! Ciao! Merci.
beaucoup, mon père. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes.